Suivez Combo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Une chaîne, une nouvelle république. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis au sang, ces hommes et moi, j'arrive à tâcher notre aîné. Deuxième partie critique info. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous suivre. Ici, je dénonce la mauvaise foi des Congolais. Nazo dénoncé Mouté Mamabe et bah Congolais. Les gens sont de très mauvaise foi, les gens sont méchants, les gens sont hypocrites. Mais c'est triste quand même. C'est triste. Dans tout le sens. Hein, dans tout le sens. Les gens sont extrêmement méchants. Et on a mis tout là, toujours. Batomité Mamabe. Bouganyaranin. Bon, a peine que Bato, Bazaki avant Bino. Bako, qu'on a bien Mouté Mamabe. Bakoufa. Misupolele. Ba papa na bino imité ma bena maman na bino imité ma bena ba koufa misupolele. Ce que yo bandi ki moté ma bena jeunesse makasi bou ili kambounine. Oke nan ou ti wapi. Ba tout ba bandaka makambo avant yo ba koufa ba zo elo kote. Yo bandi yon avant bou ili kambounine. Bon ou kakabo gagne nini en faisant le mal. Bon ou kakabo gagne nini en mentant. Na kombo ba tout. Et ça la konde nini ozu pe na téléphone ou koma lo kouta na kombo amoutou. Et ça ne vous gêne pas vraiment. Et j'ai un modèle. Les Congolais sont tellement. Mais oh là là, je ne sais pas parfois, mais moi, ils m'étonnent. Hein? On dit que si stage, il y a qui m'a dit que c'est un bon expérimenté. C'est triste quand même. Que Dieu vous aide vraiment à comprendre que ça ne sert à rien. Il y a un peu. C'est celle que je vois dans les chefs de nos politiciens. De certains de nos politiciens. Ils sont non seulement méchants, mais on dirait banamité maté, à deux niveaux. Le premier niveau est Zaboui. Ndengini ni yo za politiciens. Na tongo na yo lamu, na tongo lamouki, aux administres, aux agents, je ne sais pas moi qui. Na tongo lamouki, omeli penati ya solo ya cher. Tu ne te poses pas la question de comment le peuple est en train de vivre. Obimi pe yo koutolali nanda kuna yo mbou la te beti et dérangé o te. Mais tu ne te poses pas la question comment les gens vivent à l'extérieur quand il pleut. À chaque fois quand il pleut, vous qui dormez dans des conditions à ma lame ou à l'état, est-ce que ça vous arrive à l'esprit d'imaginer comment les autres vivent? Pour les autres, c'est le calvaire. Ils traversent des moments de calvaire. Est-ce que vous ne vous posez pas des questions? Yo politicien, tant que yo belli, ma canicina yo zali maman qui ne se faire soigner la poto. Au demi tout, tant que peuple la belle arrête de se faire soigner wapi. Est-ce que ça vous arrive de... Parce que c'est en fonction de cette prise de conscience-là que vous allez faire de bonnes politiques afin de régler le problème. Est-ce que vous avez dit 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 que vous avez. Parce qu'eux aussi ont aussi droit à la jouissance, eux aussi ont droit à être bien. Est-ce que ça vous dit d'imaginer combien et comment eux vivent? Voyez-vous que c'est de la méchanceté que de croire qu'on ne peut pas aider ces gens-là? C'est triste. Aux autres, on a montré qu'on a cortège. On a deux, trois voitures dans le cortège, quatre voitures dans le cortège. Mon le canaba arrive à bus au côté de Télémie est belé. Moi, qui est été parce que le transport est athée. Et je n'ai rien noté. Tout ça n'a pas école au banabo tant qu'on a belé. Nous avons des écoles où les enfants étudient à même le sol. Ils n'ont pas de cahier, ils n'ont pas de crayon, ils n'ont rien du tout. Il y en a qui font des kilomètres pour aller étudier. À pieds nus parfois. Culottes déchirées. Ils bravent la pluie, ils bravent le soleil. Pourquoi? Vos enfants sont mis dans des grandes écoles, dans des très bonnes écoles. Comment allons-nous résoudre ce problème d'injustice sociale? Mais c'est ce qui forme la conscience finalement.
C'est cette conscience-là qui forme des politiques. On est vrai, on est bien, on essaie de faire ça pour le peuple. On essaie de donner au peuple. Maintenant, quand j'entends les gens parler de la Kabylie, quand j'entends les gens parler de la Kabylie, c'est là que je dis maintenant que les gens sont de mauvaise foi. Ça veut dire que vous avez eu un pouvoir pendant 18 ans, vous n'avez pas créé les conditions qu'il faut aux gens, pour les gens, mais vous voulez expliquer votre échec lamentable par une gestion de 3 ans, qui en réalité est une gestion de réparation, une gestion de correction de ce que vous avez fait, vous, dans le passé. Mais malheureusement, comme il y a des faiblesses, comme il faut le dire, il y a des faiblesses aujourd'hui, les gens sont quand même convaincus que le pays va mal. Tes bateaux, non, vous êtes fort. Votre équipe de communication, bravo, elle est très forte. Si, elle est très forte. Parce que comment vous arrivez à convaincre les gens qu'aujourd'hui les choses vont mal? Et ils vous apportent des débats inutiles, en tout cas dans la société. Non, t'es là, Batikaki, l'osso, on a pris tel. Oh, mais ils vous diront jamais, bah, beaucoup on a pris tel, combien? Ils ne vous diront jamais. En fait, ils ne vous disent pas. Bango Bayaki Bokutaki dollar on a combien? Ça, ils ne vous diront pas. Bango Bayaki Bokutaki l'os on a combien? Ça, ils ne vous diront pas. Bango Bayaki Bokutaki, tout ce qu'ils disent là, Bokutaki on a combien? Tikaki on a combien? Et ils vous disent qu'ils ont Tikaki. Mais ils ne prendront jamais les risques de vous dire, Bakutaki comment? Ça, ils ne vous le diront pas. C'est ça ce qu'on appelle la mauvaise foi. Voyez-vous? C'est ça ce qu'on appelle la mauvaise foi. Donc, ils ne vous disent pas comment ils ont trouvé les choses, mais ils vous disent quand même comment ils ont laissé les choses. Et ils n'ont pas honte hein, de laisser les choses comme ça. Est-ce que Bino Pena Congo, tout le monde, vérité? Est-ce que dans le Congo, le sac à l'eau, il peut coûter 20 dollars? Disons-nous la vérité. Est-ce que le sac de riz peut coûter 20 dollars dans un pays avec 80% de la terre arabe? Tout le monde a un débat. Est-ce que le sac à l'eau, il y a ma dessous, il peut coûter 30 dollars dans le Congo? Comment il coûte 30 dollars? Ma belle, il coûte 30 dollars. Dans un État sérieux, quand l'État est gouverné par des hommes normaux, comme le dit le prof Bakan déjà, si l'État est gouverné par des hommes normaux, ils prennent le soin d'attaquer les choses les plus consommées par la population. Ça veut dire, même si on a des denrées alimentaires, on a des l'osso, des tomates, ça devrait être des choses les plus moins chères et en cannabis. Pourquoi? Parce que nous avons une terre fertile à tous égards. La terre, elle est tellement fertile qu'une politique agricole, Yamalonga, et que ça, là, que Bissot, Tosso, Marabino, Kouana, Moukié. Parce que vous savez que quand vous avez une politique agricole, une politique agraire, il y a Malam, et vous permettez à Binoubo de se développer, vous avez des cantines dans les écoles. Est-ce que vous savez que tous vos orphelinats, les gens mangent, et vous avez résolu le problème de la faim? Pour l'eau, ce qu'on a en quantité industrielle, Foufou, et vous allez en quantité industrielle. Babiloko Batbaliaka directement, et vous allez en quantité industrielle. Donc les gens n'auront même plus besoin d'aller chercher ailleurs. Le blé dont on parle, le blé, les blés, oh, tout ça, la mapa, notre pain, en farine, yamapa, tout farine, yakwanga, c'est bien de le faire. Mais nous avons de l'espace pour cultiver les blés. Nous avons assez d'espace pour cultiver les blés. C'est question justement d'avoir une politique agraire, Yamalonga. C'est question d'avoir des politiques agro-pastorales, Yamalonga. Ceux qui ont dit que beaucoup de développer l'agriculture dans Bino, ok, bien. Mais ceux qui nous ont gérés pendant 18 ans n'osent même pas vous le dire. Non, parce que quand on a 25, beaucoup de quand on a 25, n'engénini. D'abord, comment vous êtes arrivé à laisser un sac de riz à 25 dollars? Comment? Combien de champs de riz le Congo a? Ou combien de sacs de champs de riz que l'ancienne administration avait sponsorisé? On va vous parler de cette aventure de Bukangalonzo. Mais il y a des rapports qui ont même dit que l'escroquerie de ce rapport avait commencé avant même qu'Evanda. C'est-à-dire qu'on a dit, selon Ernest, l'escroquerie avait commencé dans la conception. Seulement quand on a imaginé le projet, l'escroquerie avait déjà commencé. La plupart de programmes et de projets qui ont été faits à l'époque des 18 ans ont été des projets détournés dans la conception. Parce que comment vous imaginez créer un hôpital des cinquantenaires à Kinshasa, alors que vous avez Mamayemo, vous avez les cliniques universitaires. Mais il n'y a pas un hôpital à Kinshasa aussi doté d'infrastructures comme l'université de Kinshasa, comme les cliniques universitaires. Qu'est-ce qui manque aux cliniques universitaires? Il ne manque pratiquement pas grand-chose. Tout est bien là-bas. On aurait dû simplement renforcer les cliniques universitaires,
essayer de moderniser les cliniques universitaires et moderniser les cliniques qui existaient déjà et les hôpitaux qui y avaient déjà. Non, ils n'ont pas voulu ça. Ils ont préféré avoir un éléphant blanc, un cinquantenaire, après les 100 millions de dollars pour bouffer l'argent. Comme la règle, c'était l'impunité, on est parti comme ça. Mais ça, ils ne vous le diront jamais. Ils ne vous regarderont jamais dans les yeux pour vous en parler, tels des fainéants et des péreux. Ça, ils ne vous le diront pas. Mais ils viennent vous dire, non, voyez, nous on a fait. Mais vous avez fait quoi? Dans le secteur d'énergie, quelle est la ville qui a été, même pas la ville, quel est le village qui a été électrifié? À Accra, ils ont fêté 10 ans, je crois, de centre de non-coupure. En Inde, disons, dans Dubaï, ils ont fait, bon, je ne vais pas parler de Dubaï parce que Dubaï, Brûle, Bao, ils ont Moussika. Tout quelqu'un dans ma ville, l'habitude en Afrique. Il y a des villes en Afrique où ils ont fait une année sans coupure d'électricité. Et puis, ça veut dire que Ville à Kinshasa, ça aura 2 semaines sans coupure d'électricité. Ville à Kinshasa, à part Kingakati, bien sûr. Quelle est l'autre ville qui fait deux mois sans coupure d'électricité? Aucune ville. Mais vous avez fait 18 ans. C'est-à-dire que les gens sont des sorciers au fond. Au fond d'eux, ils sont méchants. Méchants. Quand ils veulent vous faire croire ces choses-là, ils sont visiblement méchants. Mais quand ils viendront débattre et ils ne viendront qu'insulter. Parce qu'il y a un bon baby qui a un finga, maman, papa, tout ça. Parce que quand on n'a pas d'argument, voyez-vous, on ne peut qu'insulter. Moi, quand je dis Ndoki, je ne t'insulte pas, Ndoki. Non, Ndoki, c'est un qualificatif, tout simplement. Je me dis, j'observe que c'est de la sorcellerie. J'observe que c'est de la mauvaise foi. J'observe que c'est de la méchanceté. En termes d'eau, quel est ce village qui a été fourni en eau pendant 18 ans? Tout ce qui est basique, kaka. Basique. En termes de maï. Village Nini, ville Nini, et Zoki Maï, 24 sur 24 dans le Congo, pendant 3 semaines, pendant 1 mois, Maï qui est raté. Ville Nini. Alors que nous sommes pratiquement archipel. Quand on voit mon archipel, mon bouton, on est tous entourés dans Maï. Mais votre incapacité à courir dans Maï, quand on va tenir, comment est compliqué. Il y a de ces quartiers à Kinshasa qui ont fait 10 ans, 15 ans. Ben, mon ami a été. Ben, tu comprends, Maïka dernièrement, ah. On me dit comment les gens sont méchants. Mais après, ils disent non, Omoni, ils se foutent aux zonga. Il nous faut besoin de Ndenge Nini, Moutou des Anobi, il nous faut besoin de Pona Bosa l'année qu'ils sont Nini. Bapesa qui vient nous 18 ans, Boutangi Sabana, Boutangi Sibangote. Bapesa qui vient nous 18 ans, Boutanga Bopiteur, Malonga Boutangi, Bopiteur, Malonga, t'es pendant 18 ans. Mais Bosa n'a courage à retourner à Batoua, Tonga Bopiteur, on a 3 ans. Bosa peina courage, Bosa courageux. Boutou n'a peina, parce que Bopiteur, il nous Boutangi, il nous a 18 ans, Boutanga Kini. Pendant 18 ans, vous avez construit quoi? Pendant 18 ans, vous avez inventé. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Ouais, un aventurier, c'était hasardé de raconter des choses. Vous avez vu le recadrage. Qu'il est là, hein? Chaos. Silence radio. Parce que je leur ai dit toujours, n'amenez pas des débats inutiles. N'amenez pas ça. L'administration de Fatshi a des sérieux problèmes. Je le dis. Des problèmes de coordination. Des problèmes de casting. Je le dis. Mais c'était très loin à comparer avec l'ancienne administration. Très loin à comparer avec ça. Très loin. Vous n'avez même pas le temps de comparer. C'est la nuit et le jour. C'est vraiment la nuit et le jour. On ne peut pas le comparer. Allez dire ça aux gens de Mobayimbongo là-bas. Allez dire ça aux gens de c'était où encore LG où on avait électrifié Mbanza. Pardon ? Zongo, pardon. Allez-y à Zongo, posez la question à Zongo là-bas. Dites-leur, eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on a pu faire? Ils vont vous le dire. Les investisseurs, parlons-en, se sentent un peu mieux aujourd'hui qu'avant. Aujourd'hui, vous en avez même qui en parlent. Mais avant, vous parlez de quoi? Bref, donc c'est pour dire que voilà comment les gens réfléchissent. Mais maintenant, quand il s'agit de parler de la loi, les mêmes personnes viennent vous dire, là, ils vous disent, hein, « Bon, là, c'est plutôt plastiné comme ami. » Qui est arrogant que Zonga t'es. Mais si vous leur posez la question, place ni comme quelqu'un que Zonga, vous pouvez imaginer. T'es au moni, le quoi la loi est lobby. Oh, Yubino, le lobby que. Bolak balak sabino, place au bakouba qui va commis, qui est arrogant que Zonga t'es. Kasi bolak sabat, tu peux place au bakoumi quelqu'un que Zonga. Le cas que place va kotak. Oh non, tout ce qui n'est pas interdit est permis. En fait, dans une société des mafieux, c'est ça l'argument. Pourtant, la société va être sérieux, va être la bonté, va être la éthique. Quand la loi ne dit rien, entre guillemets, parce que pour bon, le bon, alors que la loi a tout dit, dans un état, lorsque la loi n'a pas dit, c'est l'éthique qui intervient, c'est la moralité qui revient.
Mais comme ces gens sont parfois dépourvus de moralité, ils ne peuvent pas parler de la morale. Ils vont rentrer dans l'anarchie, quoi. Ils vont rentrer dans la délinquance politique. Bon, comme la loi n'a pas dit, nous on dit. Non, vous qui? Et puis il y a même des gens qui vous disent, « Wapi place ma commune noir sur blanc. » Donc, dans notre constitution, on devrait tout écrire, en fait. Il fallait qu'il y ait tout dans la constitution d'Abissou. Ne tuez pas. Ne tuez pas un homme âgé de 15 ans. Ne tuez pas un homme âgé de 12 ans. Et il voulait qu'on écrive ça. C'est-à-dire que, par exemple, après le départ d'un président qui a fait deux mandats et qu'il devient sénateur à vie, virgule, s'il veut rentrer, virgule, il ne peut pas, virgule, puisque la Constitution va l'interdire. Mais ce n'est pas vrai. La Constitution est un livre des hommes civilisés. Et la politique est un livre des hommes civilisés. Ce n'est pas un livre des bandits, ce n'est pas un livre de voyous. Ça veut dire qu'on ne doit pas tout écrire. Il y a des choses qui ne sont appelées à être comprises. Mais voilà que les gens vont vous amener dans un territoire comme quoi, non, vous voyez, comme il n'y a pas, la loi n'a pas... La loi n'a rien dit, comme la loi a tout dit. C'est seulement lorsqu'on ne s'entend pas que l'on recourt dans l'institution concernée. Ce qui veut dire la Cour constitutionnelle. Mais vous ne pouvez pas aller au droit comparé sans vider la question nationale. Qu'est-ce que le droit comparé a à voir? Si nous, notre droit dit, celui qui fume le chanvre, on le tue. C'est tout. Ça, c'est notre loi. Si ça dit ça, ça dit ça. Vous n'allez pas me faire le droit comparé avec la Colombie, où en Colombie, quand on fume du chanvre, par exemple, on vous place d'abord en garde à vue, 6 mois après, et puis on vous libère. Non. Le droit comparé, cette étude-là n'intervient que dans deux occasions. Soit on est dans un cadre scientifique, on est en train de réfléchir, d'accord. Soit on est dans un cadre où il y a un silence, la loi n'a rien dit, ainsi de suite. Maintenant, on peut faire parler le droit comparé. Et même alors, il va dépendre des contraintes. Vous pouvez tous tomber d'accord sur la science. Oui, oui, il fait vraiment ça. Mais il n'y a pas de contraintes. Ça ne sera opposable à personne. Pour que cela soit opposable, il faut que la loi le porte. En ce moment-là, ça devient opposable. Mais malheureusement, les gens ne vont pas aller dans ces terrains-là. Parce qu'en réalité, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller dans ces terrains-là. Et moi, j'avais très envie de faire comprendre aux gens cette affaire. Comme on a compris, je crois que c'est intéressant. Donc, on va aller tout doucement sur la question. Et je pense qu'il faut faire très attention. Parce que ça va arriver, les démons, et ce n'est pas bien. Il y a d'autres propos ici que je suis en train de voir. C'est le propos du professeur Nyabirungu sur le dossier Matata. Il dit, toute action judiciaire initiée par le ministère public près la Cour de cassation contre le sénateur Augustin Matata ne pourra pas prospérer, sinon ce serait l'excès de pouvoir. Il y a une procédure devant la Cour de cassation, première chose. Il faudra instruire à Beauvau. C'est-à-dire comme si c'était la première fois que le parquet reconnaîtrait ce dossier. C'est-à-dire que le parquet va faire une demande, adresser un réquisitoire au Sénat. Lorsqu'il aura obtenu l'autorisation, il devra faire une deuxième autorisation de déférer l'ancien premier ministre en justice. Quand toutes ces autorisations auront été obtenues, maintenant la Cour devra justifier sa compétence. Et quelles que soient les prétentions, nous serons là pour lui rappeler que les faits tels qu'il les a libellés ont déjà fait l'objet d'une décision d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Si par défi, on veut toujours continuer à instruire les fonds, on s'exposera à un excès de pouvoir. Mais je ne pense pas qu'une telle procédure puisse prospérer. Bon, moi j'ai beaucoup de respect pour le professeur Nyabirungu. J'ai vraiment beaucoup de respect. Seulement, le droit, comme les chiffres, on peut le faire dire ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut. Mais la véritable, voilà pourquoi il y a des cours, voilà pourquoi il y a des instances judiciaires pour donner un caractère définitif à une réflexion judiciaire. Parce que si un intellectuel réfléchit, c'est bien. Il peut réfléchir selon ma position, selon ma nini. Oui, maintenant l'État dit, nous avons une instance qui va décider de la réflexion qui sera opposée à tout le monde. Et c'est ça que l'on veut maintenant. Parce que moi, je m'oppose à l'idée de faire de certains citoyens des extra-légumes. Je suis extrêmement, mais alors profondément, gêné d'apprendre que des gens ne pourront jamais être jugés
dans ce pays pour les actes commis à l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Je trouve ça extrêmement gênant, extrêmement embêtant et surtout même contre les principes sacro-saints d'une république. On ne peut pas faire ça à un pays. Je suis beaucoup plus proche des idées du professeur Luzolo Bambi. Je suis beaucoup plus proche de tous les autres professeurs, pour ne pas les citer tous, de tous les autres professeurs. Il n'est pas question de laisser certains individus impunis. Il faut les entendre, il faut les écouter. Moi, je suis convaincu que la Cour de cassation ne violera aucune disposition de la loi si la Cour de cassation invite M. Matata pour répondre des questions qui lui sont reprochées, des griefs qui lui sont reprochés. Je ne trouverai aucune infraction et aucun inconvénient. Les arguments pour le faire, j'en aurai. Et si je veux vraiment en avoir, j'en aurai toujours. Mais le plus important, ce n'est pas l'acharnement contre un homme. Puisque ce qu'on veut nous faire croire, c'est qu'il y a un homme qui va être finalement attaqué, c'est lui qu'on veut attaquer. Pas du tout. Personnellement, je n'ai aucun souci. Seulement, je me dis, faisons des bonnes lois. Et surtout, faisons une bonne lecture de la loi. Je n'ai aucune leçon à donner au professeur Nyabirungu. C'est l'un des meilleurs pénalistes de notre pays. C'est l'un des meilleurs. Il n'est pas le seul, mais c'est l'un des meilleurs pénalistes. Puisque quand on parle des pénalistes, il y en a beaucoup en tout cas. Il y en a beaucoup dans ce pays qui sont bons, qui sont aussi bons. Très bons même, on en a. Alors, les gens font la confusion avec ce que la Cour constitutionnelle a rendu. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est opposable à tout le monde. C'est vrai, on n'est pas contre. Mais la Cour constitutionnelle ne va pas casser l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Pardon, la Cour de cassation ne va pas casser l'arrêt de la Cour constitutionnelle comme on veut nous le faire croire. La Cour de cassation est une instance autonome, autant autonome que tout le monde. Elle entend une affaire librement, de façon indépendante, sans véritablement empiéter sur les droits des autres. De façon libre, elle le fait. Alors où est le problème? Où est le problème? Ce n'est pas une réouverture de dossier tel que la Cour constitutionnelle, non. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est en train de réfléchir, mais bon, après, ça reste des discussions, des longs débats, ça reste tout ce que l'on peut dire. Le processus électoral, le mal congolais. Alors, c'est La République qui en parle. Voilà. La main des Fachi reste tendue. Christophe Lutundula au corps diplomatique accrédité en RDC. Mais la patience a toujours des limites infranchissables. Fayulu sous la bannière du Front patriotique présidentiel 2023. Alors, c'est toujours ça hein, qui annonce. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on va se séparer? Et ainsi de suite. C'est toujours ça qui annonce la chose. Présidentiel 2023, c'est le vrai modérateur qui en parle. Terminons avec un député provincial alerte sur la corruption dans les assemblées provinciales. De fonds importants sont proposés aux députés par des politiciens qui veulent avoir une mainmise sur les provinces, ce qui détruit le combat anti-corruption des Fachi. Il faut le dire aux Congolais. Quand nous vous demandons de nous soutenir pour abolir les assemblées provinciales, les gens ne nous croient pas. Moi, j'ai donné déjà mon point de vue sur les assemblées. J'ai même dit ce qu'on pouvait faire après les assemblées. Je l'ai dit déjà. Je vous le trouverai dans un manuel qui traîne à venir, mais vous le trouverez. Mais je le dis encore, tant qu'on aura... Les assemblées provinciales sont la pierre dans la chaussure de la démocratie. Aujourd'hui, c'est venu plus tôt que le temps. Arrêtons-nous un peu. Débarrassons-nous d'abord de ces choses. Construisons un État, ensuite on pourra revenir avec ça dans 20 ans, dans 30 ans ou même dans 40 ans. Mais pour l'instant, c'est à la limite, c'est des artifices inutiles. Ça ne nous aide en rien. Les provinces vont de plus en plus mal avec les assemblées provinciales remplies des fossoyeurs parfois, remplies des avant, pour la plupart des cas, des hommes et des femmes qui n'ont pas fait véritablement des bonnes analyses. Et à la limite, je ne veux pas être impoli, mais c'est quand même grave. Il y a des députés, des bons députés provinciaux, ça existe, ne vous en faites pas. J'ai vu des députés provinciaux de qualité, tout ça. Mais puis après, j'ai vu aussi des mercenaires, députés provinciaux, des vrais mercenaires, qui passent tout leur temps à la télévision, au lieu d'être dans l'Assemblée provinciale Nabango, qui font la chasse des gouverneurs. Aujourd'hui, les députés sont à la solde des gouverneurs. Et vous savez, les gouverneurs calculent. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est la responsabilité d'une province. Elle est difficile
et ne la laissez pas entre les mains de 12 personnes ou de 24 personnes. Comment voulez-vous qu'une population, un territoire, non, une province, de plus de 6 millions d'habitants, non, de plus de 20 millions d'habitants, de plus de 30 millions d'habitants, parce qu'il y en a des provinces aujourd'hui qui ont 30 millions d'habitants, qui ont 50 millions d'habitants, ces provinces-là, et vous laissez, il y en a qui ont 20 millions, il y en a qui ont 10 millions, il y en a qui ont 15 millions, il y en a qui ont 7, il y en a qui ont 8, ben, peut-être 50, je ne crois pas, mais il y en a qui ont quand même 10, 12, 13, 15, 14. Mais comment voulez-vous, mes frères, laisser une province qui a 15 millions d'habitants être gérée par quelqu'un qui a été élu, s'il vous plaît, élu par 12 personnes, par 14 personnes, potentiellement corrompues et corruptibles. Comment vous imaginez, comment vous laissez une responsabilité, il y a modèle, les désordres qui sévissent dans les assemblées, dans les provinces, c'est parce que d'abord les gouverneurs se sentent beaucoup plus redevables aux députés, ils sont censés prendre ces députés en charge, payer leur loyer, payer leurs billets, payer le soin de leurs femmes, leur accorder beaucoup d'avantages. Quand il y a des postes au niveau de la santé, au niveau de l'école secondaire, primaire, et ce sont les députés qui envoient leurs petits, leurs cousins, leurs femmes, ainsi de suite. Ils ont donc créé une petite aristocratie à la con, et c'est ça qui dirige une province. Les gouverneurs se sentent de moins en moins redevables au peuple, parce qu'ils savent que le peuple ne l'a pas élu directement. Or, si on inverse la tendance aujourd'hui, que le député soit élu par 15 millions de personnes, par 12 millions de personnes, et on abolit l'Assemblée provinciale, vous allez voir comment les gouverneurs vont travailler efficacement. Puisqu'en ce moment-là, les députés, comme ça n'existera plus, ça va nous aider à avoir véritablement, hein, on va dire quoi, ça va nous aider à épurer des questions tribales aussi, des questions tribales. Les gens vont dire, mais oh, où est le lien? Mais s'il y a le lien, tous les députés sont des autochtones. Tous les députés, pour la plupart des cas, sont des autochtones. Et les gouverneurs ne pourront jamais être quelqu'un d'ailleurs. Mais si nous arrivons à bannir cette histoire des députés provinciaux, on fera un pas. Puisqu'en ce moment-là, le peuple va voter, pas tribu, mais le peuple votera idée, pensée, projet. Il y aura des débats au sein de la province. Les gens vont entendre. Le premier exercice et le deuxième exercice, on aura encore des tares tribaliste, mais on peut les changer dans peu de temps. Ou même, l'État peut décider, dans une autre forme que l'on mettra en place, par exemple, de façon vraiment claire, la loi elle dit si bien, que l'on ne reçoit pas des candidatures des autochtones au sein de ces provinces-là. Vous voulez diriger la province, allez ailleurs. Vous voulez diriger une province, allez ailleurs. Soyez nationaliste, allez ailleurs. Ici, par exemple, au Congo central, le jeu ne va s'ouvrir qu'aux autres. Pas aux autochtones. Un peu, on va le faire comme au Katanga, on le fera au Congo central, on le fera à Lubumbashi, un peu partout. Ça peut être des modèles de gestion. Ça peut être des modèles de gestion. Puisque moi aussi, je ne suis pas d'accord avec le fait que l'on nomme des gouverneurs. Je ne suis pas d'accord avec le fait. Je suis d'accord avec le fait que les gouverneurs soient élus. Mais pour favoriser l'ancrage national et tuer l'élan tribaliste pour qu'on ait des gouverneurs que des provinces, que des ressortissants de là, je voudrais qu'on ouvre le jeu. Et en ouvrant le jeu, on peut faire des incises. Et c'est à nous de décider. Ce n'est pas encore arrêté comme ça, mais on peut réfléchir sur la question. Mais débarrassez-nous des assemblées provinciales. Débarrassez-nous de ces choses-là. C'est, en tout cas, la limite, c'est extrêmement grave. La corruption qui sévit dans des provinces, vous n'avez aucune idée. Les députés sont prêts. Ils se disent, Nazo Sambo, on a la perte de mots, on en a trop. Nazo Sambo, on a encore qu'il y a des impayements. Nazo Sambo, on en a bien. Ah, donne-moi 25 000 dollars, donne-moi 40 000 dollars. Et les gouverneurs savent. Comment tu peux accepter, tu veux gouverner une province sur base de corruption? Il y a un gouverneur qui a quitté la ville, sa ville, est allé dans une autre ville parce qu'il veut soutenir un autre candidat là-bas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc il laisse la ville comme ça. A Tigui, province Naye, Marie au soutenir province Mongobo. Et vous savez de qui je parle? C'est honteux. C'est honteux et c'est un peu ridicule, quoi. L'EPST, Sinecat, syndicat des enseignants catholiques non concernés par la grève, mais maintient l'ultimatum du 10 mai pour l'application de son cahier des charges. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps.
fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveur. Contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang. Dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es aux hommes, c'est au pinoir. Daïmada, chino, tu es néné. N'a qui n'a pas d'apico. N'a moussala. Tout au gabo, kakule, kakitoko. N'a qui n'a pas d'apico. Tu es mali. Lo ye bolon de la lisa.